Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous rencontrer cette semaine pour vous présenter la cinquième leçon du trimestre intitulée « Gérer sa dette ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Wilfried Louis-Jean de prier pour vous. Nous disons merci, notre Seigneur, notre Dieu, pour le privilège que nous avons de nous retrouver une fois de plus par derrière ces microphones pour nous capables de présenter les leçons de l'école du sabbat. Nous disons merci de ce qu'on peut mettre que nous déjà passé un mois dans l'année ça. Nous demandons au Dieu pour qu'il accompagne nous. Bah, nous tous ça nous besoin. Spécialement ton Saint-Esprit, on va bénir non seulement tout le monde qui est sur la plateforme, ça, tout le présenteur, on va bénir aussi le monde qui peut écouter, qui peut partager. Fais-nous grâce, fais-nous sentir présents au nom de Jésus, nous prions. Amen. Suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la cinquième leçon du trimestre intitulée « Gérer ses dettes ». J'aimerais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue et saluer mes chers collègues qui sont prêts au studio avec moi pour vous présenter cette leçon. Selon le verbe à réciter que nous trouvons dans Proverbe chapitre 22, le verset 7. Il est dit, le riche domine les pauvres et celui qui en pointe est l'esclave de celui qui prête. Mes chers amis, auditeurs, chers collègues, meilleure définition de dette, j'audiant, nous capables de voir que et tout le monde pensait pour qu'il soit capable de gagner quelque chose demain. Et pour aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour qu'il soit capable d'entrer, pour qu'il soit endetté, pour qu'il soit capable de faire dette. Et à faire dette ça, les vins devenus aujourd'hui une monnaie courante. Ils ont mode de vie parce que tout le monde entre dans la fête dette. Non. Cependant, ce n'est pas un homme ou chrétien. La Bible déconseille à faire dette. Dans les Écritures, nous sommes capables de compter au moins 26 références qui parlaient de dette. Et toutes références à yo négatives. Et nous sommes capables de dire que ce n'est pas un péché pour que les gens soient capables de prêter comme. Mais en revanche, conséquences sont toujours négatives. Et ça a entraîné en pile ennemi tout, en pile bons amis. Eh bien, ils ont bien, et puis ils ont prêté l'autre, et ça a débouché sur ennemi entre eux. Et lorsque nous avons parlé des obligations financières, Paul Libay en pile conseil à ce sujet. Il dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû et l'impôt à qui vous devez l'impôt. » C'était la déclaration de Jésus pour que l'État réponde à une question sur la taxe. Maintenant, l'apôtre Paul, dans Romains 13, 7 et 8, li di biga nou doué an yen a person moun si se te ke remen yon lot. Et pourquoi l'endettement vin devenu un fléau international à tout niveau, un niveau individuel, collectif et même national. Chaque société yo toujours gagnen yon pourcentage de moun ki yo doué tous les grands pays. Yo toujours doué, tout grand pays yo doué l'autre pays. Donc,
Et à travers semaine ça, nous va ouais et qui avantage qui gagne, des avantages qui gagne lorsque on moun li endetté. Nous devons pour nous réfléchir à travers semaine là pour nous qui gens nous ca éviter des dettes, qui gens nous capable bien ça que bon Dieu ban nous pour que nous prenons soin famille nous. Voilà pourquoi dans la première partie de son 1, qui dimanche 29 janvier, maintenant les problèmes d'endettement, nous avons demandé à docteur et Louis-Jean, qui est capable de nous, qui est a déchiffré pour nos problèmes d'endettement. Nous voulons saluer nos confrères. Et tout d'abord, c'est Aléane. Et docteur Étienne et notre confrère pasteur Dimi, nous voulons saluer tout ami auditeur auditrice qui a écouté nous et qui peut partager le son ça à d'autres personnes que bon Dieu capable bénir nous. Je dis à ce dimanche 29, c'est les problèmes d'endettement. C'est un gros problème. Nous faisons pour nous poser tête nos questions déjà avec auteur. Bon Dieu gagne un idéal, un idéal parfait. Pour nous pas endetter. Bon Dieu gon idéal pour petit yo pas tomber dans dette. Et bien que idéal ça qu'on nous capable arriver à réaliser li. Bien que dans contexte là vie jodi a avec dans contexte que peuple Israël ta vivre là c'est deux contextes mais nous capable tirer des leçons. Nous ta aimé li pour auditeur yo et tout monde cap écouter nous yo Deutéronome 28, les versets 1er, 2 et 12. On va aller vite pour nous commencer avec. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. L'on lit tout n'a pas même dans verset 12 là qui mène verset qui dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à son pays à ton pays l'appui et en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Les nous lit texte ça n'a situé dans le contexte li. Yon n'a bagay nou pata remen nou gen nou n'a remete dans devant nou, n'a vive son terre côté péché, krasé tout idéal sa bon Dieu te mette à cause de Adam et Eve qui péché et nous même nous héritier. Donc, dette c'est bon bagay quand te plaît petit qui tombe. Pas les pièces pour nous tomber dans tête. Bon Dieu pas fait ça. Bon Dieu tellement choisi pour le bénir nous te capable prêter l'autre monde mais pas remen qui t'a de prêter. On pas de prêter dans même. Maintenant, d'après les études qui faites, vous trouvez qu'il y a trois manières, trois raisons principales qui font moun en dette, mettre tête en dette. Trois raisons. N'a pas défiché pour vous dans quelques coups de seconde. La première, c'est l'ignorance. En pile moun dans l'ignorance à propos comment gérer l'argent. En pile moun, que moun non instruit, que moun non pas instruit que mon n'a gen connaissance si pas gen connaissance il est pas capable de gérer un budget lorsqu'on pas travaille sur budget ou va tomber dans dette quand même simplement parfois grand plus mon tout pas jamais exposé au principe biblique même au principe laïque financier que mon Dieu bail ça veut dire bon bam dit nous gen espoir parce que à travers le son hein, l'autre collègue pour aller faire partie ça au plus clair pour vous montrer nous ça. Maintenant deuxième raison qui fait mon difficulté financière c'est la cupidité et l'égoïste. Il y a plein de monde qui cherche gain l'argent vite dans n'importe condition. C'est la cupidité et il y a monde qui égoïste tout. Toute bagaille c'est pour eux seulement. Et dans ta ça nous voit ça, pas de monde qui ont patron qui pas voler comme si mal. Ou a gade Walmart, y a kapé moun 12, 13, 14 dollars, et puis chaque année ou fait des millions pour CEO. Donc ça y a si malé ou pas m'kapé kaye, pas vrai? Donc,
lorsque vous regardez la publicité qui gagne, lorsque vous regardez le désir personnel qu'on gagne, eh bien, la cupidité dit c'est une façon qui fait nous endetter. Nous ne pouvons pas vivre simplement, nous vivons au-dessus de ça que nous gagnons. Au lieu pour nous vivre avec moyens que bon Dieu mette dans nos mains, nous pas vivre à moyen, nous chercher d'aller au-delà de ça, bon Dieu, ben nous. Il y a des gens qui travaillent pour 1000 $, Kaili pour 1000 $, machine pour 500 $, et puis il y a un téléphone pour 200 $, ou à faire 1000 $. Comme on n'est pas toujours en dette. Les nous allons, nous prenons crédit 4 pour gagner ici, et puis notre marché a fait window shopping, nous avons un gros frigo à acheter sans que nous pas besoin. Il y a mon cachetier qui mettait la calice jusqu'à présent 1 an, 2 ans pour qu'on servir avec lui et puis la payer chaque mois la payer intérêt. Donc faut nous faire attention. Et troisième bagaille il dit bon gagne espoir pour mon saout. Gagne espoir pour tout mon saout lorsque les sont bien défrichés. Gagne espoir parce que nous que nous dans mécontentement lorsque nous en dette. Troisième raison pour qui fait nous dans dette, eh bien c'est une mise aventure personnelle. Oh yes. Le plus souvent, il y a des choses qui arrivent nous pas attendre. Par exemple, au monde tombé malade dans la famille, il fait cancer, pas de assurance, ou pas les monde mourir, ou dépenser toutes sortes de gagner. Mon connaît gagne monde qui vend caillou, gagne monde qui perd du caillou, yo dit ça. Comprendre, ou soit un cyclone passé, toute bagarre écrasé, ou soit font bancoptie, gagne monde qui grand nègre fait bancoptie et puis yo pas vivre absolument rien. Donc, bon Dieu, pas de moi m'avoir dans la difficulté. L'autre bagage qui n'est pas vivant encore, il y a des gens qui vivent dans la misère. Ils font dans la misère, ils étaient dans la misère, pas sortir dans la misère. Et bien, c'est la troisième raison, ça va vrai. Ils ont une mise aventure personnelle qui est capable de faire ou venir malheureux pour toute la vie. Et c'est vrai que lorsque vous vivez dans la misère, lorsque vous perdez tout à fait, il y a un changement possible qui est capable de faire. Dans tous les trois cas, ça yo, si nous voulons sortir dans la dette, si nous ne voulons pas vivre dans la dette, il y a des possibilités pour nous capables de sortir là-dedans. Si nous lisons dans Timothée 6, verset 6 à 9, nous pouvons, bon Dieu, parler nous dans la dette. Bon Dieu, fait plan pour nous, même nous sortir dans 2, Théonome 28, 1 à 2. Donc, nous, même qui chrétiens, les problèmes d'endettement, c'est bagage qui va en pile problème, en pile tête chargée, nous pas qu'à vivre, nous pas à l'aise, nous pas qu'à dormir, nous malades, pour nous essayer de sortir dans la dette. Si nous ne pouvons pas mettre nous dans la dette. Dans le déroulement de la leçon, l'autre monde a besoin de plus d'explications. Les problèmes d'endettement, c'est un bagage qu'on ne parle pas du tout. Il n'est pas préparé du tout pour nous. Il était idéal, parfait pour moi, m'avoir pas jamais dans la dette, pas jamais prêté pour nous vivre libre, pour ne pas être esclave. La leçon lundi, c'est Alain, qu'on est dans pile développement dans Samson Dio, c'est nous pas le faire. Il parlait de suivre les conseils divins. Qui conseille ça et comment nous casser? Bonsoir, bonsoir. Moi salue nous. Moi éprouvé un pile plaisir pour moi capable saluer nous, docteur Wilfried, docteur Etienne, pasteur nous. C'est avec un pile plaisir que moi salue nous et moi profiter saluer toutes amis auditeurs nous yo qui supportent nous et qui après suivre le son ça. Oui, nous avons étudié la cinquième leçon pour trimestre qui a un titre « Gérer ses dettes ». Nous sommes les problèmes d'endettement. Eh bien, nous avons que par amour pour nous, en tant que petit bon Dieu, ben nous conseille pour que nous soyons capables d'épargner des problèmes d'endettement. Ce qui conseille ça, yo que bon Dieu ben nous. Nous avons que en tant que être humain, ouais, puisque et nous c'est moun, nous gagnons sang, nous gagnons et chair, ça veut dire que nous capable gagner, nous capable éprouver des désirs. Ouais, sauf matériel qui yo même puisque c'est matériel que yo yé, yo pas gagne aucun et désir, yo pas gagne aucun envie nous capable dire. Et pas gen yon moun ki pa jam souhaite un jour et pour ta riche. Et tout moun ta souhaite que et un jour que yo riche. Est-ce que richesse nan c'est un problème? Mais non. Pas gen ken mal pour que yon moun rive riche. OK? Pas gen ken mal pour un moun ou travail dur
et puis ou rive réaliser de grandes choses, ou gagne un bel salaire, ou fait économie, et puis ou vin riche. Problème non, c'est lorsque maintenant ou fait de richesse ça qu'on gagne hein, comme une idole. À ce moment-là, ça a posé problème. Parce que nous connaissons que, bon Dieu, lui-même, lui déjà, ben nous, commandement ça, pour nous pas bay en kin. En yen, l'autre, pas bay en kin, l'autre bagaille, plus important, c'est passé lui. Mais une fois que ou vin bay l'argent ou bien richesse qu'on gagne en pile importance, au point que ou considérez comme une idole pour vous, eh bien, à ce moment-là, ou trouvez où nan yon gros problème. Et l'important que pour nous connaître que et c'est yon nan bagay qui conduit en pile moun à la ruine. Et lorsque nous gagnons et désir pour que nous gagnions en pile l'argent et puis tout sans tenir compte de comment ou bien là nous fin gagner un peu l'argent qu'on est là nous bail l'argent ça plus importance parce que monde qui bon côté nous parce que bon Dieu maintenant nous trouvons nous au bord de la faillite éternelle. Eh bien bon Dieu lui-même lui voyait ban nous des conseils extraordinaires. Là nous lit Matthieu 6 verset 24 et 1 Jean et 2 verset 15 ban nous lit pour vous Matthieu et 6 verset 24. Mais ça lui dit, nul ne peut servir de maître à la fois. Matthieu 6, verset 24. Bon, moi, je lis pour nous. Il dit, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ouais. Donc et là nous venons comprendre que est-ce que bon Dieu a un problème avec l'argent? Non, c'est pas ça. C'est une fois que ou ben l'argent plus importance passe ou encore en pile importance ou puis on mette le même niveau avec lui, et bien là, il vient poser problème parce que ou pas capable de servir de maître à la fois. Il y a des monde qui dit que l'argent c'est un bon maître, ouais, un bon serviteur, un mauvais maître. Donc, sous qui te l'argent, ça a qu'on gagne, c'est lui-même qui a dirigé. Ouais, donc là, Lévin posait un problème. Donc, l'amour du monde fait que nous la gagnons dans l'endettement. Gimoun, mes amis, tout ça, yo, ouais, yo envie gagner. Tout ça, yo, ouais, yo envie posséder. Gimoun, gros différence entre l'envie et le besoin. Donc, Pasteur Wilfried énonce trois raisons principales qui font un monde tomber dans l'endettement. Et gen moun c'est depuis gel tombe sous bagalan, donc les besoin posséder li. Donc ça, li pas bon. OK? Et c'est yon bagay que Satan utilise en pile pour les capables attraper nous, pour le prendre nous, et comment on est capable de dire encore, pour le prendre nous dans un piège. Ouais, c'est ça qui fait l'important pour que nous sommes capables de veiller à garder nous en tant que petit bon Dieu. Et Pasteur Étienne se relate que il y a pile côté dans la Bible que vous montrez nous que en dedans n'est pas bon. Et bon Dieu, vous voyez un pile conseil pour nous pour que nous pas et entrer dans la question d'être ça de façon à ce que nous capables de vivre libre et bien et en paix. Là nous lisons Psaume 50 verset 14 et 15. Nous voyons que et comment nous capables acquitter nous de venir envers l'Éternel. L'Éternel fait un pile bagay pour nous tandis que il pas mandé nous pour nous payer. Nous pas gis 5 kop pour nous bay pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Ouais. Et seulement ça que bon Dieu mandé nous, c'est seulement pour nous reconnaître grandeur dans la vie nous pour nous bali louange, gloire, action de grâce.
C'est seulement ça lui mande de nous pour tout ce que lui fait pour nous. Donc c'est comme ça seulement nous capables et acquitter nous de venir envers l'Éternel. Il pas exiger nous rien. Il y a monde qui connent penser que c'est gros fraude, hein, il est capable de payer l'Éternel pour ça que lui fait et c'est dîme non. Tant que nous t'étudions déjà, dîme non, c'est pas pour nous lié, nous remettre normalement. OK, ça c'est devoir nous pour nous remettre li et offrande là encore c'est en raison de reconnaissance à ça que mais l'Éternel pas mandé pour payer là. Li seulement mandé nous pour nous baler louange avec adoration. Et nous wè youn règlement ou encore un vœu que tout adventiste fait lorsque nous allons recevoir le baptême. C'est et nous toujours répondre pas oui. Et est-ce que nous croyons dans Jean l'église dans l'organiser? Nous connaissons que l'organisation l'église là comment et c'est l'ordre hiérarchique l'église là et conférence générale, les divisions, les unions et les missions, les districts etc. Donc est-ce que nous croyons dans l'organisation l'église? Nous dit oui. Est-ce que nous promettons pour nous capables soutenir et l'église là dans offrande nous avec dîme nous capacité nous ouais et service nous toujours répondre par oui. Donc c'est une promesse que nous fait ouais c'est une promesse que nous fait et promesse ça que nous fait nous doit acquitter nous tout de promesse ça que nous fait ouais, c'est une promesse que nous fait lorsque nous allons recevoir le baptême. Donc dépendamment de choix que nous fait et nous devons arranger nous pour que nous pas prendre un piège que Satan lui-même l'étend pour nous avec question endettement les nous endettés nous pas à l'aise nous pas bien nous pas libre. Donc nous besoin faire de bons choix avec gens que nous vivons avec ça que nous gagnons, ouais, et puis pour que nous capables et vivre bien et tout, lorsque nous gagnons bien que nous gagnons, lorsque nous gagnons richesse que nous gagnons, nous supposons bien utiliser. Nous songeons que leçon est partie jeudi, première leçon que nous étudions pour trimestre, hein, qui dit que l'argent, non mais un petit bon Dieu, il supposait de l'eau pour les gens qui altérés, qui soif, de la nourriture pour ça qui grand goût, des vêtements pour ça qui pas de radiométrie, de l'aide, du support pour ça qui besoin. Donc c'est très important pour que nous capables de faire différence ça dans la vie. Merci, c'est Alion, Pasteur Étienne, leçon mardi, qui c'est 31 janvier. Maintenant, si nous connaissons des dettes, comment nous capables sortir de ça? Comment s'en sortir? C'est le titre. Bien, nous sommes contents pour que nous capables présenter leçon belle, leçon belle, semaine ça, en pile, et au pratique tout. Et parti mardi qui 31 janvier comment s'en sortir? Eh ben nous sorti ouais conseil que bon Dieu gagne pour nous et pour faire dette. Cependant Jean que pasteur Fried présenté dans première partie hein, puisque le péché les nous envahit la terre, donc nous tous nos péchés, donc nous en dette, nous tous en dette, que ou chrétien, que ou pas chrétien, que ou observe bon Dieu, ou gen foi dans bon Dieu, que ou apese épargne dette, nous en dette, nous tous en dette, qui j'en ai sorti. Eh bien, texte que nous te, texte à méditer, hein, que nous jouons dans Proverbe 22:16, pour définir ça, Salomon. Il fait nous connaître que yon moun ki prêté dans même moun ou esclave moun ko prêté dans maintenant. Maintenant qui gens que nous ka fait échapper et à phénomène ça qui très regrettable.
Parce que si que nous comprenons bien, nous tous nous esclaves, que ou go esclave, que ou ti esclave, que ou esclave pour un gros prêt qu'on fait, que ou ti ou esclave pour un petit bagay qu'on prête, mais nous tous nous esclaves. Maintenant, si que même avec vous, nous endettés, gain un plan qui est capable d'aider nous pour que nous sortions dans la dette. Pour que nous capables de liquider ton liquidation de dette. Plan li simple. Et plan li gen trois étapes là-dedans. Il y a trois étapes là-dedans. Donc, lorsque yon moun ou fidèle envers bon Dieu ou retourne dîme que bon Dieu ba ou et que dîme que ou doit remettre à bon Dieu, eh bien, ou gen accès à la sagesse. Ou gen non seulement bon Dieu béni ou, lorsque ou fidèle envers bon Dieu, ou retourne dîme nan, non seulement béni ou, mais li bon sagesse. Li montre ou ki jan pour que ou capable de gérer sa ko gen. Maintenant, première étape nan, li consiste pour que ou capable et mettons fin avec dette yo. Ça veut dire que si que pour quelque soit raison ou t'es tombé dans dette, mais ou besoin pour stopper, ou besoin pour cesser pour continuer à prêter. Donc ou besoin pour finir avec dépenses à crédit qu'on gagne yo. Si que ou pas emprunter cob, grand-pile monde qui pas prêter cob dans même monde. Pendant yo utiliser en pile crédit carte. Donc c'est on sorte dans point que lié, même lorsque c'est en compagnie, en gros compagnie, il y a monde qui profite. Donc puisque c'est gros compagnie, yo utilise crédit carte et puis là regarder, yo endetté en très profond. Maintenant, et première étape nan pour sortir dans dette, j'en peux nous dire si qu'on trouve là-dedans, ou besoin pour prendre détermination. Besoin pour prendre détermination, prendre engagement pour suspendre continuer prêter, utiliser crédit card. Deuxième étape non, c'est pour que vous capable faire une alliance avec bon Dieu. À partir de alliance ça qu'on fait avec bon Dieu, donc bon Dieu a béni ou et l'elle béni ou, vous capable prendre moyen pour que vous capable liquider dette yo. Qui gens pour bon Dieu béni? Qui gens pour faire alliance avec bon Dieu? Dans le son précédent, non, nous te ouais que la dîme est un contrat, puisque son alliance qu'on fait avec bon Dieu, son engagement qu'on fait avec bon Dieu, donc on remet dîme à l'Éternel. Jean Malachie, prophète Malachie dit, dans Malachie 3, maintenant, lorsqu'on remet dîme à l'Éternel, pour fidèle à l'Éternel, l'Éternel a béni. La béni ou la pourri van ciel là pour vous en abondance qui est en pile comme que ou après que recevoir. Donc c'est bon Dieu qui a béni ou. Lorsque bon Dieu béni ou, eh bien utilisez comme ça yo pour réduire dette qui ont pas quête monde lorsque qui j'en bon Dieu béni ou. Par exemple ou capable gagner assurance ou pas même penser ça arrive même parfois ou pas même penser pour joindre un dividende. Assurance qu'on va payer, assurance auto qu'on va payer, assurance caille qu'on va payer. Vous capable garder ou vous voyez un chèque bas. OK? Maintenant lorsqu'on recevoir chèque, c'est bénédiction bon Dieu. Lorsqu'on fidèle envers bon Dieu, pas gen moun k'ap manger kobou. Lorsqu'on fidèle envers bon Dieu, pas gen moun k'ap pran kobou. Pour grémisi. Si que ou yo doué un chèque bas ou va recevoir. Et lorsque bon Dieu bénit ainsi, on utilise comme ça yo pour capable liquider dette. Et en pile monde, lorsque on recevoir un chèque ou pas espéré, par exemple pour recevoir un bonus dans travail ou du moins pour recevoir une augmentation dans travail ou profiter, tout ça c'est bénédiction bon Dieu. Pas ou pas obligé de jouer un bonus hein? Ou pas obligé de jouer une augmentation non plus. Donc, c'est la bénédiction de Dieu parce qu'on est fidèle envers bon Dieu. Donc, lorsqu'on recevoir extra comme ça, donc, ou juste utiliser, ou pas l'acheter bagay qu'on pas besoin, ou pas l'acheter extra rad, extra machine, mais camper là.
Donc, vous utilisez comme ça, pour que vous réduisez vos liquidités de dette. C'est la deuxième étape. Et troisième étape, non, c'est la pratique, la vraie pratique que moi-même, moi, utiliser. Ou dresser une liste de toutes dettes qu'on gagne. Par exemple, si qu'on gagne 3 crédit cartes, ou gagne 4 crédit cartes, gagne monde qui gagne jusqu'à 10, 11 crédit cartes, OK? Maintenant, quel que soit et dette qu'on gagne, que ce soit loan l'école et loan machine, crédit card et toute dette ça yo, ou fait une liste. Maintenant ça pipiti hein. Pipiti dette là que par on dit que ou a payer et $30 chaque mois pour un crédit card. Maintenant $30 ça ou pas payer seulement $30 dans sa pipiti hein. Ou fait moyen pour qu'on paye le double. Ou du moins ou paye 40. Toujours battre pour payer en plus du minimum que vous m'en donnez. Le consa, ou ap fin payer, ou ap save nan intérêt, ou ap économiser nan intérêt, et puis ou ap fin payer crédit card ça, ou soit loan ça, en vend le. Maintenant, lorsqu'on fin payer en vend le, avec ou paye crédit card qui était $30. $30 ça, ou pas l'acheter avec. Ni ou pas manger, ni ou pas brel. Ou prend $30 ça, sou bon deuxième loan, ou son deuxième crédit card, ko ta paye $50 par exemple. Maintenant, ou prend $30 ça, ou fin paye premier card, non, qui pipiti, hein? Ou premier loan qui pipiti, hein? Ou prend $30 ça, ou ajoute tel sou $50 ko ta paye pour deuxième, non. Maintenant, ça faut vin paye 80 chaque mois. Comme ça, ou ap paye l en vend le. Et ou fait ça pour tout l'autre yo, et puis comme ça, ou ap éliminer dette yo, ou ap éliminer crédit card yo. Maintenant, gen ou ka fè pour tout type de dette. Par exemple, lorsque m'a fait un séminaire sur gestion chrétienne, sur finance familiale, on toujours fait moun yo connaît que nous gen deux dettes. Nous gen deux dettes que tout moun ou pas ka passer au-delà de li. En pile nan nous pas ka empêcher deux dettes ça. Qui ça? Qui deux dettes? Mortgage kay. Pas gen moun qui gen kòp pour acheter ton kay cash. Ça veut dire que mortgage nan li yon dette. Mais dette ça et même gens que ont éliminé ti dette yo ou ka éliminé mortgage gens. Par exemple si soit ça ou mande pour payer chaque mois ou bat pour ko payer un petit bagage en plus. Ou payer un petit bagage en plus selon possibilité ou et puis comme ça ou craser intérêt mortgage gens et ou fin payer avant 30 ans. Donc ça c'est une façon pour éliminer dette. Ça c'est pratiquement n'a ban nous là. Maintenant ou gen un autre loan que en pile nan nous tout là-dedans, OK, puis fo nan nous que li impossible pour que ou épargne tout. C'est loan l'école. Docteur Wilfried Kardiuka expliqué ça très bien. Tout monde qui gagne yon master, qui gon maîtrise. Tout monde qui gon maîtrise, qui gon doctorat, eh ben si ou pa jwenn ti aide ti scholarship, ou ap de $300,000, gen moun ki gen étudiant ki doit $400,000 loan l'école. Ça veut dire que lorsque ou gen loan sa yo même jan tout ça que ou mande pou payer lorsque ou gen ou gon bon travail ou gon bon emploi donc ou pas payer seulement minimum que ou mande non ou essayer payer un petit bagage en plus et puis comme ça ou a payer en vent l'heure que ou ba ou. Cependant, pas oublier ça que nous disons, ou commencer par dette qui pipitient. Ou commencer par dette qui pipitient, par loan qui pipitient, ou éliminer pipitient. Après ça, on prend cobnan, ou ajouter sous on lot, ou fin payer, et puis qu'on s'awapwe, ou ap liquider toute dette pour gagner. Maintenant, il est clair pour que nous capables comprendre que bon Dieu passe pas de souhaiter que personne dans nous tombe dans dette. Mais Jean que nous te passeur au bruit de dit avec le péché donc en pile dans nous pif fort dans nous si c'est pas nous toutes nous en dette
que ou, même si vous n'avez pas de crédit card, ou endetté. Parce que vous avez un mortgage, ou endetté. Même si vous n'avez pas de mortgage card, si vous avez un student loan, ou endetté. Ça veut dire que nous tous nous tombés dans la dette. Mais bon Dieu, pas créer nous pour que nous entrions dans la dette. Mais puisque le remède nous, les banons techniques, les banons pratiques, qui gens que nous sommes capables d'éliminer des dettes, yon après l'autre. Maintenant, plus gros bagaille. Et si vous oubliez tout ça que me dit là, plus gros bagaille, capable d'aider au monde pour que vous pas dans la dette, c'est fidélité envers mon Dieu. Dans la leçon précédente, on a noté, ouais, ça, parce que vous te mettez en face sur ça. Gen moun ou pa kon moun an pa nan gwo job ou et tout afè moun n'ap mache bien machini pa janm an pan li rete nan bon kay li pitit li a bien menè l'école et moun an pa gen gwo job et puis on moun wè ki nan gwo job et pou wè se nan konnen li pran kobli li la gèl non sa ki gen tout la dan c'est ça prophète Agé di nou. Donc nous besoin pour que nous capab montrer fidélité nou envers bon Dieu et respecter principio et puis éviter Jean que sœur Tristan te dit non gen moun ki gen gros zizi depuis ou on moun gon bagay yo besoin gen tout y a le kayon moun al visiton moun depuis ou wè chan moun nan yo poko prêt pour ça poko gen kòp pour ça yo besoin gen pa ou changer pour yo gen même bagay donc lò poko rive ou dwe rete tan lèw OK rete tan lèw donc que conduite nous capable inspirer pas inspiré par l'amour de l'argent parce que l'amour de l'argent capable mener nous loin c'est ça que l'apôtre Paul il déclarait dans Hébreux 13 verset 5 il dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire contentez-vous à ça qu'on gagne. Bon Dieu pas jamais abandonné. Et gagne un passage que moi mets en pile dans Psaume 34, David dit tous ceux qui marchent avec Dieu ne sont privés d'aucun bien. D'aucun bien. Ça veut dire si que on fait bon Dieu confiance, on marche avec bon Dieu, si qu'on peut encore dans on Mercedes. Donc le on peut arriver. C'est un Yugo qu'on gagne au soyons yon Renault ko gagnen sa ko gagnen donc la fè service et puis wap marche avec bon Dieu ou pa manke aucun bien si que pa gon bagay c'est parce que le bon bien pour moi si que on chrétien pa posséder un bagay et parce que le bon bien pour vous depuis son bien que lié bon Dieu pa kite ou sans li la baole donc comment s'en sortir nous espérons que zami auditeur yo retenu trois étapes sa yo. Première étape non passe pas continuer à mettre tête ou dans dette fini avec après dette pas continuer à prêter deuxième étape non eh ben montrer fidélité envers bon Dieu faire une alliance avec bon Dieu et bon Dieu a béni et troisième étape non apprendre pour que liquider dette yo liquider pipitien donc comme dit payer plus que ça au bas yo mandonnant et puis qu'on soit éliminé et pour voyer comme ça sous en deuxième pour que vous continuez à éliminer. Donc, nous espérons que et tout le monde cap suivre le son. Hein? Donc, c'est une leçon pratique. Donc, les capables d'aider vous à sortir dans la dette. Alors, ça, moi, je voulais ajouter, Pasteur Etienne, moi, je voulais dire, mon yo, ça ne veut pas dire pour ne pas dégager, non. En plus, le monde connaît Abchita, mon Dieu, ben, béni, ou comme ça. Non. Il y a un monde qui est très. Il cache ton parfum, il revend, il fait 10 gouttes sur lui. Il cache ton bagage et vendre donc pas chita dit bon Dieu béni nous bon Dieu béni sans que nous paraisse tout chercher travail bon Dieu ba nous 6 jours pour nous travailler al travail chercher faire économie travail bon Dieu juste chita parce que bon Dieu béni non il explique nous pour nous pas dans dette mais ça va lui dire nous même tout pour nous pas chercher gain possibilité bon Dieu parler nous malheureux non maintenant Pasteur, docteur Etienne saute montrer nous comment nous capable débarrasser nous de dette nous yo. Mais maintenant, et gen moun ki besoin a acheter un bagay, li pa gen garanti, li kon besoin un moun ki pou
ba li possibilité ça qui pour signer pour lui. Qui pasteur Jimmy qui sont capable dire nous en partie mercredi qui parle nous de se porter garant et les combines pour devenir riche. La paix bon Dieu avec panel là et la paix bon Dieu avec tout le monde qui va regarder nous. Oui, c'est vrai et pour garantir plan pour devenir riche dans le sens compte ça. Et l'on a regardé en termes de tout ça qui dit, et combiné à Mremen, parce que son système qui est établi dans le système bancaire, juste pour capable faciliter un moyen que pour faciliter au monde. C'est pas ça, pas la banque, il va la faire comme tout. So, moi, je suis responsable de ça, son goût, responsable de la banque. Mais ça qui est belle, la leçon, que la Bible est claire que bon Dieu parle que nous-mêmes, petites nous venons responsables de l'autre monde, de ça au fait, à savoir prêter l'argent. Et les proverbes là, les banons ont plein de conseils, enseignements qui aident nous à comprendre et ouais qui et à pas avoir tout ça qui se dit dans le sang comme pour éviter genre de bagarre ça pour que nous pas gain difficulté pour ne pas non sens dit bon Dieu pas béni non parce que souvent on en bête pour pas bien ouais si bon Dieu bénit parce qu'on va vivre toujours. Donc il y a plein de plusieurs textes qu'on n'a pas lu mais proverbe 6 verset 1 à 5 vraiment attire attention non parce que il y a les mêmes dans le contenu et le sang hein. Et qui dit parole ça yo verset premier dit m'a appelé verset premier a m'encourager mon tout verset tout à 1 à 5 parce que ni belle parce que m'a regardé avec tout verset a même appelé premier pour cause de temps mon fils si tu as cautionné ton prochain et si tu t'es engagé pour autrui et bon verset 2 excusez si tu as enlacé par les paroles de ta bouche et si tu as pris par les paroles de ta bouche. So, je veux comprendre tout et je demande nous tout des questions qui vont dans la leçon hein, et nous capables de dire que qui message je voulais bon nous dans verset ça yo, et qui ça ouvre nos comptes. Je dis en même temps c'est pour nous éviter. C'est un ami de responsable pour nous éviter comme amis Jean Salomon dit. Pour que bagay sa yo pour ne pas responsable yo dette en monde ça relé ko signer en tant que l'homme on a le pour bagay ou pas capable ou besoin monde ou crédit ou pas suffit ou besoin monde qui ko sign so de ce fait ni besoin dans ce sens ou besoin éviter genre de bagay ça moi même en terme chrétien l'église bon, bagay son bagay qui moi pense le sens ça l'a déformé non sens pour faire nous ouais bagay non sens plus clair parce que les frères nous a souffri nous ka gon moyen comment capable faire en ce sens donc et prêt responsabilité à libéral je pense que c'est dit li pas mauvais mais c'est après c'est résultat qui va dégager situation déjà ou ka perdu son ami mon ka mouri on se débagay parce que comme ça tout sou bagay mon ko ça né mon droit son mauvais monde. Mais mon oublié que ou même tout gen propre responsabilité pa ou gen propre responsabilité d'être pa qui ou même que doit acquitter d'où en dans le son eux même dit nous que et ami l'église t'a vinn mande nous pour qu'on signe un bagage pour lui et qui ça n'a dit comment doit faire et la bible a dit pour nous répondre d'après la bible dit nous pour dit que ça c'est le son là qui se tout dit la bible dit que nous pas doit jamais faire ça nous pas doit jamais faire parce que li pas encourager et si la bible dit un bagaille qui on mon nous fâche avec moi pas d'accord moi obligé d'accord ça la bible dit parce que c'est vrai humainement parlant gain de bagaille qui 40 entrer dans bagaille là me comprendre tout ça mais la bible dit que pas doit faire parce que c'est pour me faire pour comprendre ça la bible dit l'encourager moi me ca aider au monde mais c'est pas dans contexte de responsabilité monde parce que on va le tout en dans toute bagaille ça par exemple même genre moi il y a un moment qui compte si monde bon parce que lui j'ai un petit parce que tienne pas connait dans bagaille ça encore moi peut-être lui cala donne ce aller moi même tout qui va l'en charger moi donc tu nous imagine m'a demandé pour mal cosier machine pour d'où et tu pouvais en dans aspect ça c'est toujours monde qui cosier bagaille qui responsable d'être là 75% et ça il dit dans étude là d'où de là étant loin analyser bagay là li pas encourager pour aller dans mon bail comme ça parce que li grave parce que mon nos amis que quelqu'un si on machine pour mon et puis mon n'a pas payé machine de tout bail une de tomber sur mon d'où là aise bagay ou même genre on prend goumer mes pieds calotte mes pieds ça d'où bon Dieu pas encourager pour entrer en tant que chrétien pour qu'aller pas le mettre coupé dans tirer pour ce pour bagay que déjà
et ba nous conseil pour nous pas faire. Et on m'a donné tout dans le dans le proverbe 20 et verset 20 dans le lui dit clair oui et puis qui m'a donné nous qui avertissement que ba nous. Et nous quand senti ma vie parce que moi le sens il très accusant. Il dit que un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Mon cap de fait l'argent sans qu'il pas dans sens vrai. Eh bien, mon Dieu, pas quitter pour papi. Même dans l'église, soit prêt au monde, soit prêt au monde pour prêter mon intérêt, d'où son méchanceté. Bon, ça, c'est point de pam tout, c'est pas ça. Mais c'est moi qui vais le ça. Mais tel, et n'a excusé nous, les amis qui t'avaient ça comme ça, c'est de ma part. Tu vous dis que moi-même, dans la conception pam, et pas besoin de qui bon on garde ça on te gon monde qui demande l'argent prêté environ 500 dollars me dit pas gain comme ça me ca avec vous me ca bon 100 dollars ou 200 dollars pour qui ça parce que soit j'ai l'autre monde bon l'autre 100 dollars comme la privé parce que si mal bon là pour bon monde bon monde je me taille pas gâter nous pas même gens encore c'est doux c'est nous même tout monde différent doux mais je passe ce des deals gens des deals passe gens des deals et sur Alain des deals il faut remettre. Si c'est plutôt prêté, il faut remettre les. Mais toujours encourager pour éviter ce avertissement qui gagne, c'est que, ou bien système ça, lui fait, c'est pour enrichir le monde qui a prêté là. Ou même qui a pris le caution pour le monde, et l'air pour le crédit, ou bien le non, il va là avec 5%, il doit varier le fixe, ça dépend. Si le fixe même ou bon, mais s'il varie, ou prenant tout bon. Alors dit, de là étant, c'est riche, mon a pris sous, de là étant, tout ça qu'on est capable de faire pour éviter d'entrer dans la dette. Ou du moins encourage pas décourager tout le monde ou bien ça qu'arriver parce que dans ce dit là ça va du pas prêter mais ça va du pas dépenser mais au besoin la sagesse de Dieu discernement de Dieu pour orienter ou à comment pour faire comme on pas faire c'est le bon Dieu qui aide nous si tout pour éviter et envie de bagaille qui pas même nécessaire pour nous-mêmes pour ne pas entrer dans la dette qu'une parade. D'où moi je pensais que le son est très belle et nous pas de marcher dans conseil ça, dans contenu ça, nous devons rester sous pito sous l'inspiration c'est l'esprit de la Bible qui encourage nous que pour ne pas engager nous dans bagaille alcool sans pour nous prendre dette tout bas. Le son qui dit bon monsieur, j'espère nous commenter parce que le son de chargé oui, on participe dans là. Monsieur oui, nous parle c'est un parti et bon c'est pas ça Étienne faut nous mettre un petit accent pour dire comme ça et il clair pour pas à consigner vraiment il clair la Bible clair ou pas prendre dette mis sous tête et il y a un pile problème qui posé et surtout pour nous mêmes les pasteurs les dirigeants et parfois passer tellement ça qu'on arrive il y a un monde dans l'église là qui pas gain mari il pas gain caille il besoin fermer un caille et on dit que le pasteur pour passer à signer caille là pour non pas qu'à faire ça non pas qu'à faire ça il pas entrer dans le domaine nous pour nous faire ça après même si moun yo parfois pour acheter une machine pour yo donc il y a pile de parents en dans dette c'est parce qu'il prend loan pour timyo fin grand nègre yo pas jamais payer loan non yo pas jamais mettre comme parents te payer et lorsque on prend loan ou mourir avec loan pas jamais fin payer lui donc la Bible parle sous à acheter ton machine ou besoin acheter ton machine neuf sous pas gain crédit tant acheter ton machine pour 2000 dollars et 2000 dollars gain acheter li pour faire grandir crédit oui mais pas demander monde pour signer pour vous parce que ça fait un pile problème ça va pile problème l'église me songer yon Calvin dit catégoriquement c'est comme si moi-même avec monde nous pas veler enfermer caille pour monde mais monde pas connaît que nous pas gain autorité ça nous pas gain droit faire ça parce que si monde pas payer caille là on pas ca prendre signature mal mettre dans caille parce que moi bon famille bon madame faut pas me connaître les fini si mon n'a pas payé c'est moi qui a payé li et il y en aurait plusieurs cas comme ça jugé dans l'église faut nous éviter ou pas capable de possibilité pour acheter un bagage neuf prend sans on fait crédit grandir pas demander monde pour mon dans non et mon obligé de non yes c'est le sens ça pour le week-end là la paix causé en pile dégâts et il y a un débat qui a fait la Bible claire et toujours prendre précaution joindre en pile demande une demande en tant que pasteur en pile demande pour que me conseille cependant me dit bon Dieu merci me pas jamais fait ça pas jamais fait ça la Bible parle il y a un pile monde qui pas qui des problèmes avec mais OK cependant la Bible et la Bible pas permettre que moi fait ça, c'est clair.
Et puis, il y a l'autre bagage encore dans le son que nous couvrons. Et à faire prêter. Et moi, je prends pile. Et en tant que pasteur, je prends pile. Et quel que soit le monde qui vient demander, prêter encore, ou prêter mon nom, ou pas prendre. Bon garantie sous 10 ou carrément un seul ou carrément un seul ou deux maximum sous 10. Ça veut dire que pour qui j'aime résoudre problème ça lorsque on me demande me prêter somme Jean pasteur Jimmy te dit ça que me ba ou me baou baouli ou m'demande me prêter $1,000 si c'est $300 que me ba ou me bon $300 $100 que m'kaba ou m'bon $200. Yeah. Pas chercher l'autre monde ou ka pour commander comme ça ou ka joindre comme. Mais prêter moun nan $1,000 m'bon garantie ou pas joindre. So ou ka remarquer si 6 moun prêter nan même comme ça ou même mm-hmm. À bon. Elle dit que nous espérons que tout le monde capte des leçons hein, même lorsque le son dur que c'est vrai, mais que vous capable de mettre en pratique. Si vous faites un cosign pour le monde, vous devez mettre petit ou pas cosign pour petit ou pas cosign en rien pour personne monde, la Bible défend ça. Talen Babdien, bon, c'est une talent pour être bien. D'accord, ça. Parce que déjà fait, alors il n'y a pas cosign, donc moi, je suis un machine pour petit moi, et puis je connais que c'est moi responsable pour me payer. Donc livre li t'a vraiment li poupé li OK li tient mais en fin de compte mais connait là le travail me connait que était responsabilité et moi cap payer c'est autre chose mais m'a songé que le moi t'ai fait cap à fermer là le m'te gain intention à fermer kay te gon monde qui te promet moi li dit m'a pral signer pour moi parce que là ça m'a pas de papier m'a pas capable et puis li te dit moi que les conseillers moi pour moi aller et chercher appartement et puis la elle me dit ah non mieux vaut que me tente lorsque moi capable ma et puis me tente vraiment et puis les pour bon Dieu c'était pour me prendre responsabilité moi on est là j'ai 4 dans pour les amis auditeurs auditrices yo. Et il y a un danger là-dedans. On nous dit que un jeune femme qui pas gagne mari, OK mari l'on l'autre côté, maintenant ou jeune un jeune homme qui vient dire que pour le conseil pour. Il y a un danger là tout. Mon a profité de si un pour un, il pensait que ou doit something. Ça veut dire que et ça sont dangers que lié tout. Donc pour que les amis auditeurs auditrices surtout mesdames yo pour que nous capables prendre note parce que long mari on monde ou ça un jeune garçon il dit la conseil en machine pour vous allez la conseil en caille pour there is something behind it so you have to be careful. C'est bien, pasteur Louis Jean, et vous t'avez dit clair, pasteur Étienne de Dil, pour moi, vivre selon ses moyens. Vivre de ça, acheter son cacouite, pour capable de bon. Le sens, je dis à pasteur Louis Jean, limite aux dettes, aux pointes nécessaires. Qui sont qu'à dire non? Qui l'a nos qu'à gagner limite par rapport à partir? Parce qu'on va faire un peu de bagaille pour nous aider à nous comprendre. Oui, n'a faut résumer parce que Léa nous déjà. Si vous passez les noms de mon yo, nous m'en avons diminué nos sorties. Les sorties très importantes pour nous comprendre. N'a faut résumer parce que pasteur Étienne ouais parti ça déjà en grand mot. N'a parti que le défait à partir m'a dit à lui ouais ça déjà. Limite aux dettes et en point nécessaire. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 15 verset 1 à 5, bon Dieu m'a dit peuple il y a quelque chose de très important. Nous t'aimons mais les premières parties, parce que je vais faire un résumé seulement, parce que nous avons déjà fait partie ça, dans Deutéronome, verset 15, et 15, verset 1, il dit, tous les 7 ans, tu feras relâche. Tu es un loi en Israël. Lorsqu'on prête le corps, lorsqu'on bat tête en esclave, parce que quand on prête le corps, on ne peut pas remettre le corps là, ou le travail pour le monde qui prête le corps là,
et puis ou vin tourner esclave avec femme ou petit tout. Et non seulement loi ça, était pour moun qui t'a prêté comme là, non seulement loi ça, t'es pour te, non seulement loi ça, t'es pour moun qui créancier qui a bail en point. Donc, lorsqu'on arrive sous septième année, d'après la loi qui était établie, bon Dieu établie pour les plus faibles, faut relâcher moun ça. Moun n'a pas qu'à esclave encore, il pas qu'à doux encore. Et même les saisons terre ou t'es acheté, après 7 ans, ou pas qu'à acheter pour la vie, pour y mettre terre. Parce que ça, c'était bien personnel, bien parental. Moun nan bon Dieu t'a essayé, bon Dieu, ouais, pour mettre l'ordre dans toute bagaille de gen principe. Problématique bagaille financière, ça sont problèmes qui lient dans le monde. Et c'est fait spécialement pour compatriotes israéliens, surtout lorsque son frère ou son sœur qui m'a dit prêter corps. Comprenez? Maintenant, ça nous t'a aimé, faire un résumé sur lui, c'est en pile parent, en pile étudiant, nous aller prêter corps pour nous faire étudier. Par exemple, parce que j'ai parlé de moi-même, moi-même, moi doué presque plus que 200 000 dollars. Je n'ai jamais qu'à faire une paye, mais si je n'ai pas mourir, je vais faire une paye. Pour payer chaque mois en partie là-dedans, de pouvoir faire études ou pas qu'à faire pour compte. Et lorsque nous devons bon ici tout, nous pas de monde qui était enseigné moi ma madame moi qui t'a ba nous conseil et nous te ouais nous sans ta faire fond dans l'étudier et nous prêtons pas paquet comme peut-être si c'est kounia nous pas la prêter comme ça parce que nous prêter comme non seulement pour nous payer l'école pour nous manger pour nous payer caille ça veut dire comme ça yo si comme moi te prêter ya dans 10 ans l'infini étudier les plus doublé que ça me définit l'école là. Dans mes jeunes yo cap tande, nous pa yo cap tande, nous comprendre ça. Parce que l'on pa gen moun kap edo, l'on pa gen moun kap bon formation, il y a des choses qu'on pa fait. Yo enseigne dans le son hein, si on madame ou mari par exemple pour aller l'école, tout de moun yo pa obligé à l'école. Yon kapab aller l'école, l'autre la travail li paye l'école là, si nous fait plan pour nous vivre la vie nous ensemble et puis l'autre fini l'autre là l'école encore. Si me dégrade comme bagage ça peut-être moi madame pas doué comme ça parce que ni moi ni madame moi doué tout pas vrai donc si moun yo qui va à l'école longtemps comment ça te faire lorsque on parent un petit li qui commence à grandir li ballon parti dans terre s'il gagne deux cas hôtel bâtiment non 100e ou 10e ou 20e pas connait j'ai occupé tes machine pas trop fond bagage comme ça et bien si moun ça fait et richesse pas tout dans terre li planter li fait cali marier et bien nous même qui parents si nous avons possibilité nous gagne cob dans mais nous sommes capables de payer l'école ti moun yo pour sortir les ressortir dans collège pour pas payer pour pas doué mais très bon pour nous faire ça parce que nous pas vivre dans monde idéal si nous pas vivre dans monde idéal nous pas ta supposé à prêter puisque monde n'est pas idéal il y a des moments nous obligé prêter ma pas nos expérience personnelle même pas pour ma expérience personnelle les petits sortir l'école ne beaucoup reler moins yo on fait 4 ans avant relé madame m'a petite donc capable comprendre ça mal travail me supporter maintenant lorsque conférence m'a relé pour me venir dans Pennsylvania parce que Étienne moi venu avec un somme temps yo quand c'est part time c'est pas part time c'est somme temps parce que part time d'abord moitié l'argent yo bon somme temps si ça était pas moyen pas capable quelque m'en fermer pour me rester à famille moi j'ai deux l'église qui a une heure de temps moi me c'est qui très soucié de l'église moi on pas ka gen kòb pou m'acheter gaz pou mete nan machine mwen. M te gen deux crédit carte nan poche mwen. M te gen deux crédit carte sa yo pendant 5 ans nou manje 15 000 dollars. Nou fè dèt. Dèt sa son dèt ki nisisèr. Parce que non seulement pa le moun kon a fè, si m pa gen crédit carte, moun tap konnen a fè an tant que pastè. Vous comprenez? Donc gen dèt ko genyen, gon crédit carte nan poche ki très important. Ou bon major crédit carte est très important. Sou parler moun qu'on a fait ou et pour konn comment pour payer, parce que j'ai expliqué ça très bien bien dire lui. Pour konn comment expliquer. Ou acheter ou payer. Ou acheter ou payer. Mais pour pas moun pas qu'on a fait ou. Mais si ou pas besoin bagaille pas l'acheter. Ou pas besoin machine pas l'acheter. Pas bien changer. Il y a moun qui change machine chaque fois. De non l'église New York, l'aime fait venir en 2002 dans 2001 en New York. Bon moun ki vini samedi avec un pajero, pajero fait venir samedi en 8, 15 moun l'église a vini avec pajero. Y a acheté toute machine de gagner, y a acheté machine pajero. Why you do that? Donc prends précaution. Parlez nous moun ki vive au moyen de minyo. Parce que c'est un dame on dit on va garder ça en pile. Parlez moun ki vive au moyen de minyo. Si m'ta vive au moyen de minyo,
pas mon docteur jodi, on va à l'école. Parce que l'aime venir ici, on t'a fait CNE, on t'a dit oh si ça m'a fait assez là pour mettre un BK avec tout bagage, je vais à l'école. Pas gagne un monde qui vit au moins de minutes. Parole là dit, mais en réalité, il y a un bagage qui pratique. Si on vit au moins de minutes, nous ne pouvons pas vraiment avancer. Mais on parle en DTT tout. Sans que nous ne pouvons pas ajouter pour nous être clair, pour ne pas vivre au moins de minutes, genre que Pasteur Fouid dit, ça veut dire, si que vous faites un petit job, maintenant vous avez un petit job, vous avez vivre avec lui, maintenant il faut qu'on ait un idéal. Ou pas passer toute vie dans ça que on va faire. Elle dit que faut gagner ambition, bonne ambition. Il faut qu'on gagne idéal pour que on à l'école, pour que on gagne meilleur travail afin que vie ou capable changer. Donc bon Dieu par contre ça. Cependant, on besoin pour que on capable contre qui gens on va gérer. Qui gens on va gérer d'être qu'on gagne. Parce que vous pouvez parler que il pas jamais pipé moi j'ai 62 ans jusqu'à présent moi j'ai $50,000 longue. OK, c'est pour montrer que moi j'ai droit j'ai 70 ans. OK, 70 ans 75 ans, moi still a bien longue toujours. Still a bien longue. Ça veut dire c'est pour montrer que et j'ai certaines dettes yo utile. Yo nécessaire, mais il faut que vous compte qui gens pour que vous capable gérer. Bon point que me besoin ajouter. Et à faire bankruptcy. Bankruptcy pas pour chrétien. Parce que son vol que lié. Ou prêter comme ou prendre comme ou prendre loan et pour faire mensonge ou pas pour faire pas son gens et puis ou déclarer que ou éliminer toute dette. Donc c'est on fraude que lui. Donc yon chrétien là ou prêté faut payer. Ou prêté ou payer, ou pas entrer dans bankruptcy. Donc c'est principe que m'te voulais faire passer parce que grand pile monde qui profiter de bankruptcy pour que yo capable pas payer dette. La Bible dit ou emprunter, il faut qu'on paye. Bien. Mes chers amis auditeurs, ou t'attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la cinquième leçon du trimestre qui t'a gain pour titre gérer ses dettes. C'est une belle leçon et qui grand pile pratique là-dedans, nous apprendre en pile. Et dans première partie, nous t'ai ouais les problèmes d'endettement, qui genre de problème qu'on capable faire face lorsque on tombe dans dette. Docteur Wilfried, l'idée mettait et l'agile pour nous, clarifier tout bagaille pour nous, que ce n'est pas tes plans, bon Dieu. Ce n'est pas l'idéal de Dieu pour que nous t'es tombé dans la dette. Mais avec le péché, donc, en pile dans nous tombé dans la dette. Dans la deuxième partie, qui était lundi 30 janvier, notre bien-aimé sœur Allen, l'idée montrait nous que bon Dieu ben nous des conseils. Des conseils pour que nous suivions. Et si que nous suivons conseil ça yo, donc nous capable bien gérer dette yo et puis nous capable pas tomber dans dette tout si qu'on pas connait dette si qu'on suivre les conseils que bon Dieu ban nous. Et dans partie mardi an serviteur te présenté qui Jean qu'on ca sorti dans fait dette là comme des bon trois étapes qui pratiques trois étapes nous pas gain temps pour nous rester sous yo parce que nous te déchiffrer le clair pour vous. Trois étapes si qu'on nan dette en tant que chrétien, ou capable de sortir, ou capable de retirer tête. Et cinquième partie, il a parlé de supporter 40 et les combines pour devenir riche. Donc, notez ouais, que ce n'est pas biblique, ce n'est pas une bonne chose pour que yon chrétien capable de consigner pour le monde, capable de signer pour le monde. La Bible mettait interdiction complètement à ça. Et dans la dernière partie, en partie jeudi, qui était 2 février, Pasteur Wilfried, il te montre nous que qui j'en gagne limite aux dettes et qui j'en gagne certains emprunts qui nécessaires, tels que sur dette loan, que nous t'ai parlé de lui, et nous t'ai montré que on pas doué pour qu'on capable juste à vivre, j'en courrier, pour dire tout bagaille OK, pour pas faire yes et fort. Donc, bon Dieu, pas de créer nous pour que nous capables misérables.
Bon Dieu crée nous en tant que petit bon Dieu, il faut que nous bien manger, nous bien vivre. Mais il faut que nous comptons qui gens pour que nous capables de gérer dette. Et il y a un bagage que pasteur Opité dit qui est très important, il est nécessaire pour que chaque monde ou bien yon un crédit carte pour emergency. Ou un crédit carte pour emergency ou qu'on qui gens que ou va gérer de façon longue dans problème pour que moun pa konn a faire donc pour que ou capable sortir dans problème ou hier. Bien, mesdames et messieurs, c'est belle leçon que nous avons étudié. Nous pas jamais fin gétan pour nous boire tout commentaire sur leçon. Cependant, commentaire yo bienvenue à nous-mêmes. Capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com ou capable visiter website dans etienneministry.com. Et là laisser un message, laisser un commentaire si vous pas d'accord avec commentaire nous yo. Donc au café nous parle de ça et puis si que li nécessaire nous capable toujours faire réponse. Donc nous disons merci parce qu'on t'a suivre la vérité présente. Et nous connaissons toujours Remé et le son yo. Eh bien, si vous pouvez abonner, il y a un paquet de monde qui dit, pasteur, je ne pas joindre le son, ça qui est passé. Eh bien, vous avez besoin pour abonner. Assurez-vous que vous abonnez. Parce que avec activité moins, donc, je n'ai pas vraiment de temps pour que je puisse voir le son, genre que je compte faire avant. Donc, mais si vous abonnez, vous avez besoin de le son chaque samedi matin et automatiquement. Donc, vous avez besoin pour abonner et demander aux amis pour que vous capable abonner. Et comme on connaît l'église, vous avez toujours observé en ligne en personne. Si vous avez le pasteur Wilfried Bijan chaque week-end dans le district de New Eden, vous êtes capable de visiter Lila sur Facebook. Sur YouTube. Et surtout dans la belle émission que vous avez Be a Blessing. Chaque jour et aussi pasteur Jimmy Jean-Baptiste ou qu'a visité website l'église Jeune Yo Bethel Youth et ainsi que notre bien-aimée sœur la princesse de la vérité présente li en Floride qu'a visité l'église li ouais activité li là et si qu'on table ouais pasteur Étienne tout chaque week-end dans quelques à l'église côté que m'a pied on capable visiter moi sur Facebook sur YouTube. Et ainsi, dans l'émission que je gagne, l'heure de la délivrance, chaque dimanche et vendredi, de 6h à 7h40. Pour visiter Yonan, pour Gamsayo, nous vous garantir que vous ne pas regretter. Eh bien, nous disons merci parce que vous avez suivi la vérité présente pour que nous capables de terminer. Nous avons demandé à notre bien-aimé sœur Tristan de prier pour nous. Papa nous qui dans ciel là nous content du fait que c'est au papa nous ou fin fait nous pas quitter nous sans conseil ou pas quitter nous dans le noir mais ou voulez que nous vivions bien ou voulez que nous vivions libre. Merci pour belle leçon ça que vous voyez pour nous pour semaine ça. Pardonnez péché nous, pardonnez manquement nous, bénis chaque monde qui a gagné pour tendre le son ça et aidez-nous toutes pour nous capables libérer nous, aidez-nous pour nous capables mettre le son ça en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Été présente qui t'a diffusé à même la 5e leçon du trimestre qui était pour titre gérer ses dettes. Nous vous remercions parce que vous êtes à l'écoute et n'a bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme similaire. C'est des serviteurs au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi au pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Ce Alain qui remet en pile. Au revoir et bon sabbat dans le Seigneur. Thank you.